Il est 22h, c'est Radio Manœuvre sur RFM. RFM, le meilleur de la musique. RFM. Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Rockeuse, rockeur, bienvenue chez vous. Bienvenue dans Radio Manœuvre. RFM est la station qui, sans trêve ni relâche, propose à ses auditeurs le meilleur de la musique. Chaque jeudi, je vous propose le meilleur du rock. Ce soir, une émission stellaire avec des nouveautés de Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour en duo avec un groupe de rap, un album live inédit de Crosby, Stills, Nash & Young et les nouvelles des Pretenders et des Who. En deuxième heure, nous aurons la visite d'un écrivain motard nommé David Dumain qui publie ces jours-ci un gros beau livre sur le sujet qu'on aime tous, rock et moto. Avec lui, on causera Steppenwolf, Harley Davidson et d'ici là, Motul et Bouche Cousue. On attaque, allez, je vous dis même pas avec qui, un larynx des reins, le recordman de Woodstock, le chanteur rock ultime, c'est parti!
C'était Joe Cocker, bien sûr, un extrait du fameux double album live Mad Dogs and Englishmen. Vendredi dernier, paraissait chez les disquaires un très gros et très nouveau coffret Jimi Hendrix, coffret qui est en fait la bande-son d'un documentaire sur son studio, le studio Electric Ladyland, construit au cœur de Downtown Manhattan par un Hendrix qui voulait un endroit bien à lui pour jouer avec des potes, enregistrer des nouveaux titres ou essayer, pourquoi pas, un nouveau batteur. On va écouter le morceau qui ouvre le coffret, une version totalement inconnue de Easy Rider, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jimmy était en feu ce soir-là. Radio Manœuvre sur RFM. Jimi Hendrix, Easy Rider, ce qui fait parfaitement le lien avec notre invité de 23h qui viendra nous parler rock et moto. Si vous regardez les forums rock, la nouvelle a dû parvenir jusqu'à vous. Les Rolling Stones ont réservé le Stade de France le 17 mai 2025 pour un concert parisien. Les Stones ont été le tout premier groupe de rock à jouer dans le Stade de France, le stade des champions du monde. Ça s'est passé en 1998, 13 jours après le triomphe des Bleus, les Stones étaient sur scène et c'est Jean-Louis Aubert qui faisait la première partie. Les Stones reviennent, les Stones continuent. Elle est pas belle la vie ? On écoute les Stones. Yeah.
C'était les Rolling Stones, Angry. Et puis, il y a le nouveau Clapton. Ça alors, la pochette, mes enfants. Un Clapton totalement incognito, lunettes de prof de maths, bob d'anglais en vacances. Non mais une photo irréelle. Et que fait Clapton? Eh bien, sur la pochette, il sirote un café dans un diner désert. Par contre, sur le disque, il y a du monde. Il y a un duo avec Jeff Beck, on vous l'a passé il y a quelques semaines. Et il y a aussi trois titres chantés avec Van Morrison, Van de Man, le chanteur des Vem, l'Irlandais le plus bougon depuis le Capitaine Haddock. Les deux ensemble, Clapton et Van Morrison, nous chantent une curieuse chanson intitulée « Stand Up and Deliver », un vrai cri du cœur. « Stand and deliver, you let them put the fear on you. » Stand and deliver, but not a word you heard was true. And if there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Do you wanna be a free man, or do you wanna be a slave? Do you wanna be a free man, or do you wanna be a slave? Do you wanna wear these chains until you're lying in the grave? I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. Just wanna do my job, playing the blues for my friend. Magna Carta, Bill of Rights, the Constitution, what's it worth? You know they're gonna grind us down until it really hurts. Is this a sovereign nation, or just a police state? You better look out, people, before it gets too late.
les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Eric Clapton avec Van Morrison. C'est nouveau, ça a 8 jours à peine. Et avouons-le, ça tient debout ce Stand Up and Deliver, extrait de l'album de Eric Clapton, Meanwhile. Et si j'en crois le guide des concerts, Eric Clapton sera en concert en France à Colmar le samedi 26 octobre. Ça, ça devient vraiment intéressant. Les Pretenders ont bien des malheurs. Leurs concerts de Lyon et de Paris la semaine dernière ont dû être reportés suite à une extinction de voix de Chrissy Hynde. On vous dira la nouvelle date du concert dès qu'elle sera connue. Mi-novembre, Chrissy sera sans doute à Paris pour la sortie de sa biographie intrépide, traduite par Jérôme Soligny aux éditions de Noël. On reste avec les Pretenders. So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. C'était les Pretenders, I'll Stand By You. Le mariage du rap et du rock, on a souvent essayé, mais ça a rarement fonctionné. Pour un Aerosmith Run DMC, combien de ratages terrifiants ! Il y en a eu beaucoup, et c'est pour ça que la nouvelle nous a frappé comme un coup de tomahawk. Body Count, le groupe métal du rappeur Ice-T, lui-même chanteur et acteur, héros de la série télé New York Unité Spéciale. Le groupe donc allait reprendre la chanson épique de David Gilmour avec Pink Floyd,
Comfortably Numb. À cette nouvelle, nombreux ont été les rockers qui sont tombés de leur chaise. Là-dessus, David Gilmour, en personne, a décidé de jouer lui-même le solo de guitare sur le morceau de Body Count. Donc, voilà un Pink Floyd chez les rappeurs métalliques, c'est comme qui dirait tout de suite dans Radio Manœuvre. How did I get here, sitting on this spinning spear? When will I leave here? We know death is always near. I try to understand, but answers don't come easily. Friends always deceiving me. Is this what life's supposed to be? Human animals, we roam the earth in search of blood. Hope for humanity? I don't think there ever was. We're in perpetual war. That's the only law. Can I change it? I doubt it. So I write songs about it. I was young once, but now I've grown old. Right in front of your eyes, you see my life unfold. I had no choices, I became the underdog's voice. A young black kid, look what the fuck I did. When I'm gone, there'll be someone to carry on. We can give and give up, or we can stay strong. How accepting of the bullshit we've all become. This whole world is comfortably numb. That's right, it's all there. Lock yourself in your house, try to forget about millions dying from war, starvation and drought. You've got your own problems, yes we all do. Nobody's free from stress, not him or me or you. But we still judge each other, we wanna pick a fight. In the streets we kill each other, each and every weeknight. I don't want no drama, but I carry a gun. I don't want no problems, but they'll probably come. So we get high to wash away the pain. Self-medication, but that shit is all done in vain. We think that we can hide away from the misery. You can close your eyes, but still can plainly see. There's nowhere to run. You're just comfortably.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Et oui, c'était Comfortably Numb, la version body count avec Ice-T au rap et David Gilmour de Pink Floyd à la guitare. J'ai une liste des artistes qui ont plus d'un milliard d'écoutes pour une chanson sur Spotify. À titre de comparaison, par exemple, les Stones en ont une, Painted Black, eh bien les gens l'ont écouté plus d'un milliard de fois sur Spotify. Les Beatles, ils en ont une, Here Comes the Sun. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un groupe de jeunes galopins nommés les Arctic Monkeys. Eux, ils n'ont pas une chanson qui a dépassé le milliard d'écoutes, ils en ont cinq. Cinq chansons totalisant plus d'un milliard d'écoutes, ça fait du monde. On écoute un de ces mystérieux billion streamers. Voici les Arctic Monkeys, Are You Mine? I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a shake heartaches, to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. C'était les Arctic Monkeys, Are You Mine? Mercredi dernier, le facteur me sort un paquet de 35 cm et dedans un double album vinyle. Le nom du groupe, Crosby, Stills, Nash & Young. Ça alors, mes amis, un disque dont personne n'avait jamais soupçonné l'existence. Un concert au Fillmore East en 1969, là où les Allman avaient gravé le meilleur live de tous les temps. C'est un concert que le groupe Crosby, Stills, Nash & Young donne 3 mois après Woodstock. Les quatre garçons sont dans une forme merveilleuse. Ils chantent clair, ils jouent précis. Ils sont juste sur le point d'écrire les titres mythiques de leur futur album déjà vu. Écoutons ce groupe en plein décollage, Crosby, Stills, Nash & Young. La chanson s'appelle Long Time Gone. Time, come here.
say. Against the madman. You can speak your mind, but you still care. That is if you dare. But don't, why no, don't. I'm telling you the truth, you better not. I said don't try to get yourself elected. And if you do, safety, cut your hair. But you know, the darkest hour, I'm talking about the worst part. Jeudi, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Crosby, Stills, Nash & Young, merveille absolue, long time gone. Je repense à Kris Kristofferson, le Duck. Kris Kristofferson qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Son premier album était sorti alors que le chanteur avait quand même un âge canonique. Il avait 34 ans. Mais sur ce disque, il y avait 4 tubes imparables. Voici le plus connu, celui que Janis Joplin avait si bien repris. Me and Bobby McGee, une des 7 merveilles de la country, par Kris Kristofferson, dans Radio Manœuvre. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues.
with them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I've done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Christopherson, le beau gosse, acteur, chanteur, et en plus il avait écrit Me and Bobby McGee. En regardant le calendrier, j'ai découvert que le mois d'octobre, c'est un feu d'artifice. Nous avons le 24 et 25 octobre, nous avons Bob Dylan à la scène musicale à Paris. Le 28, nous avons Eric Clapton à Colmar. Le 15 mai prochain, les Rolling Stones au Stade de France. Et ce mois d'octobre, il va se terminer le 31 avec Halloween. Et le 31, cette année, ça tombe un jeudi. C'est donc une aubaine total, et j'espère que ce soir-là vous serez à l'écoute de Radio Manœuvre, parce qu'on va essayer de vous affoler avec une sélection invraisemblable, des duos d'horreur et de science-fiction. Michel Sardou, Sheila, c'est chez nous. Non, je déconne. Allez, on va s'écouter un classique du rock occulte. Voici le Blue Oyster Cult qui nous interprète Don't Fear the Reaper. Quel meilleur moyen d'annoncer Halloween. Do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. We'll be able to fly. Don't feel the
Radio Manœuvre sur RFM. C'était le Blooster Cult, un avant-goût de Halloween. Nina Attal vient de sortir un nouveau single. Nina Attal a passé 2 ans à donner tout autour de la France des concerts hommage à Jimi Hendrix avec un groupe de 6 impeccables rockeuses. Ce faisant, Nina a sans doute beaucoup appris musicalement. En tout cas, elle a mis de la soul dans son blues. Le dosage est impeccable. On connaît la recette depuis Bobby Bland. Voici Nina Attal, elle chante Backdoor. Abby's gotta pay rent for a house she never could stand. Living on the seaside, I never liked the fields he said. Nina Attal, très convaincante avec ce backdoor. Les Who auront 60 ans en 2025. 2025, c'est dans 3 mois, hein, dans moins de 100 jours. Alors bien sûr, aux dernières nouvelles, il n'y a plus trop de Who. Roger Daltrey tourne en solo aux États-Unis. Pete Townshend est resté en Angleterre, il pleurniche dans la presse. Et là, coup de tonnerre médiatique, boum badaboum, la Poste Royale Britannique annonce qu'elle va sortir 34 nouveaux timbres, tous consacrés aux Who.
soit avec des photos légendaires, soit carrément des pochettes d'albums. Oui, Tommy, quelle pochette, ça fait un sacré timbre, et ça sortira le 17 octobre. Est-ce que quelqu'un va faire un tour en Angleterre? D'ici là, on écoute les grands méchants Who dans Radio Manœuvre. I'm free, c'est leur programme. I'm free. Before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Who, I'm free. Ainsi se clôture cette première heure de Radio Manœuvre. On va écouter quelques petits messages et on se retrouve juste après pour parler de rock et de moto avec notre invité David Dumain.